frappe en profondeur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par frappe en profondeur? C'est un concept que j'ai appris assez tôt, quand j'avais peut-être 14 ans, que j'ai commencé par les arts martiaux plus traditionnels, où on t'apprend qu'au lieu de vouloir frapper en surface de ta cible, il faut imaginer que tu traverses ta cible. Donc, au final, frapper plus loin que l'impact où tu vas arriver, la zone d'impact. Donc, au lieu de me dire « la fin de mon mouvement, c'est ici », mais en fait, je dois pas arriver donc déjà bras tendus sur mon impact, je dois essayer de tendre mon bras, mais on va dire, allez, c'est 10-15 cm plus loin, voire 30 cm, faut pas que ce soit trop non plus, mais on va dire un bon 10-15 cm plus loin que la surface de ta cible. Pour ajouter de la puissance, il faut que j'ajuste légèrement ma distance, que je me rapproche un peu plus, et que j'ai cet objectif d'aller 10 à 15 cm plus loin que ma frappe.